Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Prêté sans option d'achat jusqu'au terme de la saison par Manchester City, le latéral droit João Cancelo, 29 ans, 3 matchs et 1 but toute compétition cette saison, nage comme un poisson dans l'eau au FC Barcelone. L'international portugais n'a d'ailleurs pas l'air d'être inquiet au sujet de son avenir en Catalogne. Cela dépend du Barça et de mes performances. Si vous jouez bien, généralement, le club fait tout pour vous garder. Sinon, oubliez, a indiqué le Lusitanien pour Mundo Deportivo. Ma priorité, c'est de bien jouer, de gagner des titres, de ramener le Barça là où il le mérite et après on verra si je reste ou pas. Au vu de ses premières performances, il y a fort à parier que le champion d'Espagne en titre cherchera une solution pour le conserver. Pour moi, Manchester City c'est la meilleure équipe du monde. C'était un risque de venir à Barcelone, mais quand l'opportunité de jouer se présente au Barça, il faut la saisir. Barcelone est le club où j'ai toujours voulu être, c'est le club de mes rêves après avoir joué dans l'équipe de mon enfance qui est Benfica, explique l'international portugais. Je suis très heureux d'être ici, j'ai vraiment apprécié ces 3 matchs, j'ai des coéquipiers qui sont m'aider à m'adapter le plus vite possible, ce qui est important, je joue avec de grands footballeurs, cela me facilite aussi beaucoup les choses. Ma famille et tous mes amis savent que je voulais jouer ici depuis longtemps, c'est un club qui m'a toujours excité parce que mes idoles ont joué ici. Maintenant, je veux montrer aux gens le joueur que je suis. Dernièrement, je n'ai pas joué comme je l'aurais souhaité et je veux faire de mon mieux pour aider ce club à revenir là où il mérite d'être, a-t-il ajouté. Le joueur portugais n'oublie pas d'où il vient et passe également un message à Manchester City. C'est risqué, mais ma vie a toujours été un risque. Je suis comme ça dans ma vie sociale aussi. Je dois remercier tout le monde à City, là-bas j'ai vécu les meilleurs moments de ma carrière. Et c'est grâce à mes coéquipiers, à Pep Guardiola, au staff technique, un groupe très bon et très soudé, a-t-il conclu. João Félix a visiblement déjà conquis les cœurs des supporters du FC Barcelone. C'est quelque chose de déclarer sa flamme à un club, c'est une autre de performer et répondre aux attentes. Alors quand João Félix clamait son amour pour le Barça au cœur de l'été, et qu'il signait finalement sous la forme d'un prêt à la toute fin du mercato, l'international portugais était forcément attendu de pied ferme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tardé à faire parler de lui. En 3 apparitions pour 142 minutes passées sur le terrain, il cumule déjà 2 buts et une passe décisive, mais affiche surtout une impression de facilité à s'adapter à ce nouveau collectif qu'il découvre pourtant encore. Alors la presse espagnole s'enflamme déjà pour le joueur de 23 ans. Le quotidien Sport n'hésite d'ailleurs pas à le comparer à une légende des Blaugrana, Michael Laudru. Le quotidien rappelle que le Danois était arrivé en 1989 en provenance de la Serie A qui promouvait à l'époque le Catenaccio, et qu'il avait rapidement fait son trou dans un football plus tourné vers l'attaque. Le journal compare sa situation à celle de Félix, qui n'a jamais su s'adapter au système de Diego Simeone, le Cholo n'étant pas non plus réputé pour mettre en avant le jeu le plus léché du vieux continent. En attendant, l'ancien de Benfica est attendu pour la réception du Celta Vigo ce week-end. Jugé trop maigre à ses débuts avec le Barça, Pedri s'est bien transformé physiquement. En témoigne la couverture du magazine Men's Health Spain, dont il est l'égérie pour le numéro du mois d'octobre. Quelquefois blessé ces derniers temps, l'Espagnol semble s'être bien renforcé dans le domaine musculaire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.